Bonsoir et bienvenue au 17ème épisode de Pokémon version Uranium en Nuzlocke Challenge. Alors, comme vous pouvez le constater avec le layout et le fichier de chargement de sauvegarde, je n'ai que 4 Pokémon dans mon équipe parce qu'on va se faire l'arène. Alors, petite parenthèse vite fait, j'en ai profité pour faire évoluer mon Cocrab parce que bon, l'évolution en 3ème stade était rapide, donc je me suis pris Cocaprod, donc c'est le Némésis qu'a la championne que j'ai affronté. Maintenant, je l'ai dans mon Pokédex, et le Cocancer qui est un Pokémon géant qui fait 3m7. D'ailleurs, je vais le montrer tout de suite. Je l'ai mis pas en quarantaine, voilà, je l'ai fait évoluer niveau 25, c'était pas difficile, donc je me suis dit hors caméra, allez hop, on fait évoluer ça. Donc sinon, hormis cela, mon équipe, donc Roanar, Niandita, Tinkarase, Enera, reste le PC. Et pour cette arène, ça sera donc notre Weegee Loquet niveau 40, avec retour, Crogivre, Morsure et Hydroqueue. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas vraiment aimé. Un Pokémon électrique, bien que beaucoup de gens dans cette arène ont des contres en Pokémon électrique, mais je le prends quand même. Donc coup de jus récemment appris, rayon gemme, puissance cachée, type O et cage éclair. Notre Cyanobuff qui a évolué récemment. Donc Walloonet avec Okroupi, Anohydro, Détritus et Laser Glass. Et notre Wigiloké, donc Nymflora, je veux dire. Oui, Wigiloté, c'est ça. Donc Plécroix, Poudre de dos, Point Vampire Baiser et Giga Sensu. Giga Sensu, c'est très utile en Star. Allez, allons sans tarder à la piscine municipale. Oui, c'est la piscine municipale de Burol, de Wagune, je veux dire. Et il n'y a pas le sponsor Voldic, puisqu'il y a, comme c'est la piscine municipale, il y a de l'eau partout, donc ils se disent, pas besoin de donner de l'eau. Et oui, c'est un petit gag en référence à Voxmaker. Mais c'est la piscine municipale ici, c'est pas l'arène. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, je veux dire, restons. Hé, hey, mettez de la Team Rocket, toi. Voilà pourquoi un Pokémon électrique est déconseillé dans cette arène. Donc, je rappelle les règles de l'arène, parce que comme c'est des arènes, c'est des combats officiels de combat Pokémon. Pas plus de combats que la championne qui a donc 4 Pokémon ici. Pas d'objet de soin en combat, pas de switch gratuit autorisé. Allez, attaque retour. Donc, de quoi rendre l'arène bien hardcore. Aïe. Bon, ça va. Je pensais pas qu'il allait tanker avec un PV, le poisson. Bon, bah j'ai fait de mon mieux. Merci pour le Pokétrick. Non, je ne suis pas membre de la Team Rocket. Point d'exclamation dans ta tronche. Je vais te couler comme le Titanic. Bon, de 1, le Titanic n'a rien à faire dans le Poké World, hein, c'est un autre univers. Et de 2, ils ont foutu un Pokémon très inspiré du Titanic dans ce jeu. On se demande ce qu'il fout là. Bref. Attaque Crogivre. C'est froid, c'est extrêmement efficace. C'est le Némésis des Cocrabes, le type glace. Un Pokémon de cerveau apparaît. Attaque morsure. C'est super efficace. C'est bon le cerveau. Ça se mange bien le cerveau. Donc on notera qu'il est déjà niveau 31. Hein. C'est froid. Ouais, c'est vrai que dans la 6G, Léviathan il apprend de super attaques. Hein. Je me laisse aller, je coule. Ouais, tu t'es pris l'iceberg. Hein. Gros givre, ça, c'est un iceberg. Je pleure toujours quand je regarde Titanic Sniff. Qui est l'un des 3 meilleurs films de l'histoire de l'humanité pour info. Oula, toi je t'aime pas. Je te défie. Oh, tu as des Pokémon O? Oui, j'en ai 2 même. Et je vous défie avec un Pokémon O. Oui, le feu par le feu, voilà, j'ai décidé de jouer stratégique et défensif. C'est une arène de type O. Je vous défie avec un Pokémon de type O. Et je vous montre ma maîtrise du type O. Au revoir, croissant. Niveau 41. Hydrocanon. Alors, je vais pas la prendre parce que Léviator a une attaque spé qui est bien faiblarde. Alors, lui est type insecte. Et oh. Bon, et retour. Hein. One shoot.
Oh, un Pokémon cerveau. Allez, mangeons du la cervelle. C'est bon la cervelle de poisson. C'est super efficace. Au revoir. Sacre bleu, j'ai perdu. Il paraît que c'est un juron qui adorait des gens en rapport avec l'océan. Sacre bleu. Qu'est-ce que Kali va penser de moi maintenant? Je te défie. Tu es un dresseur inférieur. Et moi je suis canon et je te fais un boulet de canon. L'ombre. Est-ce que j'ai un truc sympa contre lui? Crogivre à la rigueur. Non. Retour. Aïe. Pouf. Ouh. Aïe, il m'a fait peur. Allez, prends des bisous. C'est la calinerie, mais version type normal et pas type fuir. Alors là, je vais switcher. Pour simplement parce que je sais qu'il va pas le one-shot. Détritus, bon. J'espère qu'il n'y a pas mon poisonné. Attaque coup de jus. One-shot, coup critique. Bien, ouais. Je suis quand même meilleur que toi. J'ai mon sac bien à la mode Chanel. Tu ne battras jamais Kali. C'est qui elle? Cette salle est sans issue. Bah ça se voit. Mais j'aime bien faire tous les dresseurs. Noctanguil. Intimidation. C'est un piranha, un carvana. Je fais quoi du coup? Allez, bisous. Vas-y, vas-y, Aqua Jet, 6 dégâts. Si ça te fait plaisir. Ah, il a survécu. Allez, Crogivre, juste pour le fun. Dégâts, ce n'est pas très efficace. Ouais, vas-y, rate ton attaque. Allez, morsure. Je mange du piranha en menu, dit le Léviathan. Oh, crabe. Attaque Crogivre. Ouah, c'est extrêmement efficace. Au revoir, le crabe. C'est pas mon jour. Merci pour les 3100 Pokéfric. Kali est vraiment costaud, elle est belle avec ça. Ouais, elle est si belle. Alors, toi, je te défie. Je mangerai du Magikarp frit plus tard. Oui, le Magikarp, même si c'est composé que d'écailles et d'os, ça se mange. Que crabe. Le Krabi, version Torterra. Intimidant. Attaque Crogivre. C'est extrêmement efficace. Oh, du cerveau en menu ce soir. Morsure. Attaque morsure, Wiki Loki. Le cerveau a été mangé avec succès. Miam miam. Maintenant, il m'envoie son Carvana. Attaque retour. Vas-y, 6 dégâts. Continue, ça te fait plaisir. Ah, non, coup critique. 11 dégâts. Il n'est pas OS. Allez, encore 10 bisous. Ce n'est pas très efficace. Au revoir, notre Tanguille. Je vais frire tous mes Pokémon. Travailler dans une arène est si ennuyeux, je sais toute la journée, je peux même pas bouger les jambes. Bah oui, vous êtes embauché par la championne pour rester planté là et attendre qu'un personnage de joueur passe devant vous et que vous lui foutiez son point d'exclamation dans sa tronche. C'est sûr que c'est ennuyant. Alors, du coup, on est devant la championne. Il me faut sac. Soin. Non, pas de la Volvic. Hein. Super potion. Tiens, Léviator. Alors, on valide avec. Non, non. Ah, c'est sur la fin. Avec Luigi Loquet. Alors, Et c'est parti. Les Pokémon O qui m'ont, depuis le début de la partie, tellement causé de problèmes, dont un mort. Cette fois-ci, c'est épisode. Je me venge contre les Pokémon aquatiques. Et Andy ne va pas m'aimer, je sais. Kali, hey, tu t'amuses bien, je suis Kali, la championne de Vagune, et je fais du surf dans des vagues de 30 mètres. Avec ma planche de surf. Il semble évident que j'utilise des Pokémon venant de la plage, pas vrai? Laisse-moi te raconter mon histoire. Quand j'étais petite, je pensais que ce n'était qu'une bonne idée d'aller nager lorsqu'il n'y avait pas de maître nageur. Mais soudain, une lame de fond m'a fait basculer, je croyais que j'allais me noyer. Gloops, gloops.
Mais alors j'ai senti quelque chose dessous, c'était un cérébron qui m'a ramené à la plage. Depuis lors, j'ai décidé de devenir une dresseuse de Pokémon aquatique. Ou de la plage. Et une sauveteuse. Les Pokémon m'ont sauvé un nombre incalculable de vie, donc ils sont plutôt forts, avec une faute à Pluto. Mais assez parlé, battons-nous avec les points. Je te défie, Kali. Oui. Tu peux remercier le revancheur pêcheur de la route 5. Il m'a fait un excellent entraînement. Alors, je fais quoi, vampire baiser ou... Allez, fais quoi. C'est super efficace. Au revoir. Attaque, fais quoi. Ça aussi, les cerveaux, ils aiment pas. Sablargo. Voilà, l'évolution de... Merci le pêcheur de la route 6. J'en ai affronté des niveaux 40. Un toxique à sens sûr. C'est extrêmement efficace. Mmh, c'est bon ce lagron version escargot. Allez, niveau 41. Et maintenant, le Kukaprod. Oui, j'ai gardé meilleur pour la fin. J'ai déjà affronté des Kukancers. Et maintenant, je vais switch, bien sûr. Hein. Voici ton Némésis, le Léviathan. Double type qui donne un avantage. Tu peux rien faire contre le Léviathan. Vas-y, malédiction. Mets-toi une aiguille sur ta tronche. De toute façon, il a été intimidé, donc... Crogivre. C'est froid. C'est extrêmement efficace. One shoot, au revoir. Vous avez vaincu, chef Kali. Non, pas chef, par pitié, championne. Tu le mérites. 6000. Allez, file ton badge. Sacré combat, t'es vraiment fort. Tiens, prends ce badge marée. Badge Pikachu. Badge marée de Kali. Vous êtes badgé pour la troisième fois. Et là, c'était bien sûr. Pou 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 pou. Eh oui. Deux récompenses pour près d'une. Cet été contient Vibraquois, c'est une attaque puissante qui peut rendre confus. Fou. Utilise-la autant que tu le souhaites. Quand je ne zone pas dans l'arène, je suis sur la plage en tant que sauveteur. Mes apprentis sont tous avec moi pour devenir maître nageur eux aussi. Merci. Voilà. Vengeance accomplie contre tous ces Pokémon hauts qui ont mis en danger mes Pokémon. Ça s'appelle l'entraînement qui porte ses fruits. Donc maintenant, quittons la piscine municipale de Vagune, parce que c'est la piscine municipale. Non, c'est pas une arène, c'est la piscine municipale. Et il y en a une à Azuria aussi, une piscine municipale. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de soigner les Pokémon. Hein. Si Sylmama, il lui manque 10 petits points de vie. Allez, tenez, soignez Sylmama, juste 30 minutes de repos pour récupérer 10 points de vie, ça suffira. Alors, on va récupérer des Pokémon pour la suite. Je suis en train de réfléchir. Bon, on va stocker les Vivraquois. Voilà. Parce qu'on va enchaîner ranger réserviste. Retirer, alors on retire qui du coup pour la suite. Toi. Et le starter parce que c'est une tradition. Voilà, donc l'épisode a été rapide, j'ai explosé l'arène en bonne et due forme, on voit l'effet du green limite à l'overgreen. Même après le même qualifié c'est que je suis en overgreen pour le moment. Mais ça ne sera plus le cas à partir de l'épisode précédent car on va se payer une croisière de luxe, et vous allez comprendre pourquoi. Et oui, j'ai envie de vacances, j'ai envie de me prendre une croisière dans un paquebot 5 étoiles de Costa Croisière. Donc au prochain épisode on se fera ça, on se regarde bien sûr. Donc, merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour le prochain épisode.